Et donc, salut à tous, c'est Dimitri19 qui vient. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le grand retour de la chaîne. En fait, voilà pourquoi je... Enfin, ils voient, ça fait à peu près 20 jours que normalement j'aurais dû sortir une vidéo. Mais pourquoi je l'ai pas fait? Parce qu'en fait, c'est la rentrée et j'avais beaucoup de... Enfin, j'avais pas mal de trucs à faire. Et en fait, du coup, bah voilà, j'ai pas pu... Je trouvais pas le temps de faire une vidéo. Et donc là, je me suis dit, voilà, ça fait une semaine que je me dis... Ok, maintenant je tourne la vidéo, machin, et après je la mets sur YouTube. Parce que voilà, sinon après ça, j'attends trop longtemps. Et donc voilà, bah là j'ai quand même attendu d'avoir un petit unboxing. Et pourquoi j'ai fait un unboxing? Parce qu'en fait, je vais à la compétition donc en Suisse. Donc c'est le musée suisse du jeu 2016. Et donc voilà, en fait, vu que j'avais qu'un Shenzhou 4x4, donc je sais pas trop où il est, mais il doit être par là. Enfin, je sais pas. Et voilà, il est là. Donc j'avais que celui-là comme 4x4 et du coup j'ai recommandé un autre 4x4. Et donc c'est pour ça que je fais un unboxing. Donc voilà, donc ici j'ai des petits ciseaux. Et pardon, j'ai bougé la caméra. Et donc bah, je vais ouvrir le colis et on se retrouve après. Donc voilà, ça y est, j'ai fait une petite ouverture ici. Et en fait j'en profite pour vous dire, donc voilà déjà je vous remercie pour les 300 abonnés. Et en fait voilà, pendant cette petite pause j'ai perdu pas mal d'abonnés. Enfin j'ai regardé sur... sur YouTube, sur Analytics, et j'ai perdu une quarantaine, cinquantaine d'abonnés, enfin voilà, même si je suis toujours au-dessus des 300. Bon voilà, donc je vous remercie pour les 300 abonnés, mais par contre je suis vraiment désolée, mais j'ai pas du tout le temps pour fêter les 300 abonnés, mais on fera un truc pour les 500, ça c'est sûr, je vous le promets. Et voilà, et pour les 400, je verrai, mais à mon avis, ce sera pas possible. Donc alors, je vais mettre le petit colis ici, tac. Ça, on s'en fiche. Et donc, je commence avec la première chose que je vois. Ah, voilà, je l'attendais. Je l'attendais, celui-là, parce qu'en fait, celui-là, il commence vachement à bugger. Voilà, donc, bon, alors, la boîte, elle est un petit peu défoncée. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Ok, alors, il est dans un petit plastique. Ah, c'est ça. Ouais, alors, ouais, non, il rentre pas du tout dans là-dedans. Il est beaucoup trop grand. Bon, c'est pas grave, hein, je garderai celui-là. Et puis celui-là, je le mettrai genre comme ça si je veux le chronométrer. Alors, on peut. Ah, oui, il y a deux boutons de plus. Donc, il y a option et save. Donc, voilà, on peut mettre. On peut changer un peu les paramètres et on peut sauvegarder des temps. Donc, ça c'est super. Voilà. Alors, ici, donc, il y a des trucs pour le mettre sur un tapis. Mais j'ai pas commandé de tapis. Je sais pas s'il y a déjà des piles dedans. À mon avis, non. Enfin, je sais pas, je vais tester. Ah ouais, donc il est beaucoup plus léger que déjà celui-là. Bon, à mon avis, il n'y a pas de piles. Non, il n'y a pas de piles. Bon, vous savez quoi? Je vais. Bah, on se retrouve tout de suite. J'enlève les piles de celui-là et je les mets dedans en espérant. Ah, attendez, c'est là. Ouais, non, c'est pas là. Enfin, si, c'est là, mais il n'y a pas de piles. Ok, donc bah, je vais mettre les piles de celui-là là-dedans en espérant que ce soit le même format. Et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, donc j'ai... Ok. Ok, bah super, attendez. Voilà. Ah non, oui, c'est normal, il était sur... Ok, alors ça fait déjà une petite musique, donc on va aller voir un petit peu, alors. On va aller... Bah... Ok. D'accord. Mais ouais, mais le... Ah si, voilà, c'était peut-être là, j'ai pas remarqué. Ah, la lumière verte, elle s'allume pas, j'ai l'impression. Ah mais non, oui. Excusez-moi. Oui, si, si, là-bas. J'avais pas remarqué les petites lumières, en fait, qui s'allumaient. Elles sont beaucoup moins... Là, elles sont sur celui-là, elles sont beaucoup plus grosses. Ok, donc ça, le son, à mon avis, on doit pouvoir l'enlever dans les options. Ah ouais, ça, c'est nickel, ça. 3, 6, 3, 5. Ah, ça c'est pour les stars, ça c'est pour les caps. C'est 3, 3, 3, 3, 6, 3 et 5, si je me souviens bien. Ah ouais, non, donc c'est pas ça. On peut pas enlever le son. C'est bizarre. Enfin, on va pouvoir l'enlever. Voilà, c'est là. C'est d'ici qui sort. Je sais pas comment enlever le son. Ouais, non, là, franchement, je sais pas. Qu'on peut faire,
3-6-3. Ok, donc on peut enregistrer ces temps de 3-3-3, 3-6-3 et Saika. Donc voilà, en fait, c'est Yuxin. Donc c'est une marque de cube, mais en fait, ils ont fait un truc de stagmat. Donc voilà. Donc voilà, power. Et donc là, on peut mettre sur off. Ok. Donc il faudrait que je vois comment, comment enlever le son. Et sinon, bah voilà, hein, c'est super. Donc ça me fait un petit timer en plus. Voilà, parce que j'en avais vraiment besoin. Après, alors, qu'est-ce que je vois? Ok, donc voilà. Donc j'avais commandé. Oh là 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 là, mais le paquet est complètement. Je sais pas comment dire. En plus, la boîte, là, celle-là, c'est. Bon, c'est déjà un peu moins abîmé, mais c'est presque pareil, quoi. Mais là, franchement. Ok. Alors, donc ici, on a du scotch. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est du ciseau, voilà. Donc voilà, donc en fait j'ai commandé que 3 trucs, hein. Et j'ai commandé sur Lightech. J'en ai eu pour 30$ je crois. Donc, ce qui équivaut genre à 27-28€ je crois. Et allez, voilà. Et donc voilà, donc j'ai commandé ça, le timer plus un 4x4. Ok. Alors ici on a une petite notice. Waouh. Ça me paraît un peu lourd. Ok, donc déjà ils veulent pas s'enlever de la boîte. Non mais il y en a combien? Non, il y en a 12, si je me souviens bien. Ok, donc voilà, j'ai juste commandé les. Oh. Ils tournent carrément. Bon bref, voilà, donc là la petite notice, je m'en servirai peut-être. Voilà, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est en gros, par exemple, l'espace là que j'ai, il est peut-être un peu trop petit, il faut que je le fasse sur, sans petit enclos. Voilà, donc par exemple, le 3-3-3, il faut faire genre ça. Non, attendez, il faut que je regarde même plus. Bon, bref. Bon, voilà, il faut empiler le côté le plus rapidement possible, donc bah voilà, avec le timer. Bon, bref, je vais les laisser là et je vais me renseigner sur comment. Comment ça se fait, parce que j'avais déjà vu une vidéo dessus. Mais voilà, je m'étais jamais vraiment essayé avec des autres objets. Et donc maintenant, on passe à ce cube-là. Donc c'est le Yuxin 4x4. Donc j'en avais déjà un, mais je l'ai perdu. Je l'ai perdu dans un car, voilà. Je l'avais prêté à un ami et puis il me l'avait pas rendu. Enfin, il l'avait posé sur un siège et après il avait oublié de me le rendre. Mais moi, j'avais pas pensé. Ok. Tac. Alors, je change de temps, je suis impatient. Hop. Ok. Alors, ça commence déjà avec un petit. Ah. Donc, ils ont changé le mécanisme. Enfin, je sais même pas si c'est le même. Ah, ouais. Okay, ils tournent beaucoup mieux que le Shenshu. Ouais, franchement là. Ouais, en fait, ils tournent assez lentement, mais à mon avis, si. Je sais pas trop comment faire. Mais en tout cas, ils tournent déjà plus rapidement que celui-ci. Mais voilà, il tourne quand même assez lentement, mais je pourrais peut-être lubrifier ça ou bidouiller un petit peu la lubrification. Voilà, donc bah, il ne reste plus rien, à part du papier bulle, voilà. Et là-dedans, il n'y a plus rien. Donc bah ça, je vais le poser là, voilà. J'avais une autre petite notice, je sais pas trop où je l'ai mis, si elle est là, voilà. Hop. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc bah j'essaierai aussi de faire une vidéo sur mes mains et mes espérances pour la compétition mes déçus du jeu 2016. Et en tout cas, nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut. Si voilà, en fait c'est là le son, en fait j'avais pas vu, je pensais que c'était pour allumer le timer, mais en fait non, c'est là. Ça c'est pour le son. Off, voilà. Donc là, si je fais ça, il mettra plus de son. Voilà. Ok, c'est nickel. Bon, allez, salut.